Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Projanda. Dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir ensemble comment structurer sa page web à travers les balises HTML de section. Alors, dans les vidéos précédentes, on avait vu que pour structurer notre document HTML, il fallait utiliser la balise div. Donc ici, je fais un exemple, vous allez voir. Ici, on a une div globale. Pour l'intérieur de cette div, nous avons par exemple ici une entête qui va contenir par exemple un H1, mon super site. Et puis après, ici, nous avons une navigation, une div qui va nous permettre de gérer la navigation, UL, LI, voilà, un lien vers la page d'accueil. Je peux dupliquer ce code-là. Ici, nous avons contact et puis à propos. À propos. Donc ici, on peut mettre ici une classe header. Voilà. Ici, une classe. On peut mettre une classe ici navigation. Et puis ici, on peut mettre une classe contenu ou bien container, voilà, container. Et ici, voilà, après ça, on peut avoir ici une classe main qui représente le contenu principal. Et à l'intérieur de ce contenu principal là, on suppose qu'on a plusieurs sections. On a une div ici qu'on va nommer une classe, par exemple mathématiques, maths. Et à l'intérieur de maths, on peut avoir plusieurs articles. Voilà, ici, div. Ici, on a classe article 1 et un titre. Ici, un titre. Ici, article 1 et un article. Ici, un contenu. Voilà, contenu. Voilà, 1. Et puis ici, une section a aussi un titre. Voilà, section, un titre ici. Voilà, section maths. Et j'en passe, voilà, je peux dupliquer ce code-là. Je peux dupliquer ceci. Voilà, je vais inventer un peu le code parce que là, je peux inventer. Voilà. Tac. Voilà, inventer le code pour mieux plus de visibilité. Ok, donc je peux copier ce code là. Tac, créer une nouvelle section. Section par exemple ici, littérature. Ici, section littérature. Littérature, voilà. Tac. Et puis on s'imagine à la fin, ici, après le. Je peux intenter ceci. Voilà. Je ne sais pas comment j'ai fait pour écrire le code non inventé. Ok. Je peux intenter, voilà. Tac. Tac. Donc, j'ai intenté le trop, c'est pas grave. Voilà. Passer son temps à pouvoir régler ce souci-là. Voilà. Tac. Si je remets tout en place, c'est important que le code soit bien aligné. Voilà, ici. Donc, après ça, on s'imagine ici, après le main, on s'imagine ici avoir un pied de page. On mettra une classe, on mettra ici un footer qui va contenir par exemple un lien, qui va contenir un paragraphe. Et en dessous de ce paragraphe, on mettra le fameux copyright. Copy. Point virgule. Tous les droits réservés. Voilà. On s'imagine après avoir une div ici pour les sociaux. Place sociaux. Et puis on a des liens un peu partout. On a des URL. Des LI hein, ici qui va contenir des liens hein, vers par exemple Facebook,
et machin, voilà. Donc voilà un peu comment on avait l'habitude de faire avec le HTML4. Voilà, je vais revenir ici un peu, tac, tac. Ici le header, voilà, voilà. Donc je vais indenter. Donc c'est important de vraiment indenter son code parce qu'après le code est bizarre, on n'arrive plus à comprendre. Donc voilà, ici le code est beaucoup plus limpide comme ça. Donc je disais, c'est ce qu'on avait l'habitude de faire avec le HTML4, c'est ce qu'on avait vu déjà à travers les vidéos précédentes. Avec la balise div, on pourrait mieux structurer notre code. Il suffisait tout simplement de pouvoir créer des classes particulières, comme ça on pourrait s'y retrouver. Vous voyez déjà, le principal inconvénient de cette méthode, c'est qu'il y a des divs un peu partout. Il y a des divs un peu partout, puis quand le code va devenir un peu plus volumineux, on ne va pas pouvoir s'en sortir. Quelqu'un peut mettre, au lieu de header, quelqu'un peut mettre une annotation un peu, je ne sais pas, peu compréhensible. Donc comme ça, quand quelqu'un prendra le code, il va pas vraiment comprendre de quoi il s'agit, alors que le code source, c'est quelque chose qui n'est pas privé, c'est quelque chose qu'on peut partager, c'est quelque chose de public. Surtout quand on est dans une équipe de développeurs, il faudrait quand même que le code source, c'est un nouveau standard, c'est un nombre de normes. Donc l'équipe a réfléchi pour nous, l'équipe a réfléchi, ils se sont rendus compte que sur une page web, il y a des éléments qui reviennent très souvent, des éléments comme la navigation, des éléments comme le pied de page, des éléments comme l'entête et tout. Donc comme ces éléments reviennent à chaque fois au niveau, lors de la création d'un site web, donc lors reviennent à chaque fois, donc quand on est passé de HTML4 à HTML5, HTML5 est venu avec des nouvelles balises pour pouvoir pallier à ce problème-là. Cela ne voudrait pas dire que les balises universelles telles que div ne sont plus utilisées. Les balises div, universelles div, sont utilisées pour des cas non répertoriés au fait. Lorsque vous voulez faire par exemple une galerie d'images, des trucs comme ça, il n'y a pas une balise qui va vous permettre de gérer une galerie d'images. Donc dans ces cas-là, vous allez privilégier d'utiliser la balise div. Mais pour une navigation, pour une entête ou un certain nombre d'éléments, il y a des balises dédiées. Mais c'est ces balises-là qu'on va découvrir tout à l'heure dans la suite de cette vidéo. Déjà ici pour commencer, je vais vous montrer en fait ces balises-là. Voilà une liste, de ces balises-là et puis un descriptif afin que vous puissiez déjà avoir l'aspect théorique de la chose. Donc ici nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 balises en fait. 6 nouvelles balises qui sont apparues, voilà, qui vont permettre de mieux structurer notre code HTML. Je vais commencer ici déjà par la balise section. Section, on va lire et ils vont essayer de comprendre et puis pratiquer. Donc section générique regroupant un même sujet, une même fonctionnalité, de préférence avec une entête ou bien une section d'application. Voilà, ici on dit, en fait, c'est un peu comme ce que j'ai fait ici. Donc si on avait utilisé ici section, on allait tout simplement remplacer ceci par section. Donc regroupant des trucs de... Voilà, ils ont dit ici, voilà, ici regroupant des mêmes sujets, des mêmes fonctionnalités. Donc on suppose que voilà, pour pouvoir créer une page web, on a forcément besoin de morceler notre page web en plusieurs sections. On a section ceci, section voilà A, section B, section C. Surtout si on a plusieurs thématiques, donc là, les balises sections seront beaucoup plus appropriées pour pouvoir tout simplement morceler le code. Une section est considérée comme un petit bloc de une partie, voilà, est considérée comme une partie du body. C'est comme un mini body en fait. Donc, c'est expliqué ici. Une section peut avoir une entête, une section peut avoir un pied de page et j'en passe. Donc ici, bon, tout à l'heure on va pratiquer, vous allez voir un peu plus mieux. Pour l'instant, nous sommes en train de parler juste de l'aspect théorique de la chose. Donc, en seconde partie, nous avons article. Article est une section de contenu indépendante pouvant être extraite individuellement du document ou syndiquée sans pénaliser son contenu. Bon, généralement, la balise section, l'élément HTML section sera utilisé beaucoup plus pour des articles, pour pouvoir écrire des articles de journal ou bien lorsque vous allez sur des sites d'information, voilà, nous aurons des contenus ou bien carrément des chats où nous aurons en fait des... qui va contenir la liste des messages des utilisateurs. En soi, ces informations peuvent être extraites au fait. On peut enlever les news, par exemple. On peut enlever les news, les dernières informations. Cela n'affecte en rien, en fait, la page web. C'est ce qu'on met dans le contenu indépendant. Tout ce qui est indépendant, comme un article particulier, on peut aller sur un site web et enlever, par exemple, l'article 3. Cela ne change rien, en fait, au site web, en fait. Donc, la troisième balise, c'est la balise nav. Un nav ici, comme vous le voyez très bien, c'est une balise qui va nous permettre de gérer en fait, la navigation de notre page web. Donc, elle va contenir
principalement des liens, en fait, des liens vers des pages ou bien des ressources, en fait. Donc, le quatrième point, c'est le Inside. Ici, c'est une section de contenu, une section dont le contenu est complément, dont le contenu est un complément par rapport à ce qui l'entoure, ce qui n'est pas forcément un lien direct avec le contenu, mais qui peut apporter des informations supplémentaires. Ouais, généralement, sur des pages web, on a des affiches publicitaires, on a des boutons vers des ressources, par exemple, des boutons pour gérer le paiement, ou bien les sociaux en bas, au niveau des pages web. Donc, la balise d'Inside serait beaucoup plus utilisée dans ce sens-là. Lorsque nous avons un contenu qui n'a pas forcément un rapport avec le site web, ou bien sur la page web, on vous montre, par exemple, une publicité sur un truc, sur une thématique qui n'a même pas rapport à la page web. Dans ces moments-là, il faut, c'est codé, en fait, la balise qui est gérée derrière, représenter ce truc là, c'est la balise design en fait, pour dire que voilà, ce contenu là n'est pas vraiment un contenu forcément lié au système, mais c'est un contenu extérieur, donc on le place dans la balise design. Ici nous avons le header qui est en cinquième position, qui va tout simplement nous permettre de pouvoir gérer l'en-tête de nos pages web, section d'introduction d'un article ou d'une section ou d'un document. Donc les sections peuvent être à l'intérieur d'un article, de la balise article, à l'intérieur de la balise section, ou même à l'intérieur d'un document. Donc, déjà dans notre document HTML, on peut déjà avoir une section. Et à l'intérieur de notre document HTML, on peut déjà avoir un header, en fait, une en-tête. Donc, les headers sont généralement, contiennent très souvent un titre, peut-être même des logos. On peut même l'utiliser pour avoir ce qu'on appelle des bannières, en fait, sur des pages web. Et puis, enfin, nous avons, à la fin, ici, nous avons le footer, qui est une section de conclusion d'une section, bien d'un article, bien d'un document. Généralement, au niveau du document, le footer représente en fait le pied de page. Donc, c'est là que nous avons le fameux copyright et tous les liens extérieurs et j'en passe. Donc, voilà, c'était déjà l'aspect théorique de la chose. On va passer à la pratique maintenant et voir déjà avec ces nouvelles balises comment mieux structurer notre code HTML pour plus de simplicité, pour plus de compréhensibilité. Et je ne sais pas si ça se dit compréhensibilité. Bon, pour l'instant, on va passer. Donc, ici, moi, je vais supprimer tout ce qu'il y a là. Voilà. Voilà, il y a une balise qui, dont on n'a pas parlé, c'est la balise main. La balise main, voilà, cette balise main, c'est une balise qui va nous permettre tout simplement de représenter le contenu principal. La balise main, vous voyez, pour ceux qui viennent des langages de programmation tels que le C ou bien le Java, et j'en passe, le main, en fait, c'est ce qu'on appelle la fonction principale. Et il peut avoir qu'un seul main sur une page web. Donc, le main sera très souvent utilisé ici comme contenu pour pouvoir englober tout ce qui est contenu principal sur votre page web. Donc, on peut avoir qu'un seul main. Donc, l'utilisation n'est pas obligatoire, elle est facultative, mais pour plus de compréhension, pour plus de pour avoir un code beaucoup plus compréhensible, moi, je vous conseille, moi, de l'utiliser. Et donc, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec l'utilisation de main, bah, vous pouvez laisser. Donc, ici, on va commencer d'abord par mettre en place, par réfléchir notre structure de code. Ouais, quand on commence à coder, quand on veut créer une page web, il faut s'asseoir et réfléchir, prendre un crayon, réfléchir, ou aller au tableau, réfléchir quand même pour mettre en place la structure de notre code HTML. De façon basique, nous avons une en-tête, nous avons une navigation, nous avons un contenu principal qui va contenir des blocs, des sections, des articles, ça dépend, et nous aurons un pied de page, ça c'est de façon basique en fait. Donc ici, on va commencer déjà par mettre en place cette structure basique. Donc ici, nous avons un header, une en-tête. À l'intérieur de cette en-tête, nous aurons un H1. On mettra le nom du site, mon super site. Donc après le header, nous aurons la balise là, on l'a vu, qui va contenir ici les liens de navigation. Donc ici, nous aurons un lien vers ici, la page d'accueil. Voilà, j'ai avalé le A. Et puis nous aurons un lien vers contact, un lien vers contact. Et ici nous aurons un lien vers à propos. Un lien vers à propos. Donc après la balise nav, ici, moi généralement j'utilise au fait le main. Parce que après, ici, lorsqu'on utilise le live server, voilà. Voilà. Ici, après l'en-tête, et puis nous avons la navigation. Maintenant, on va commencer maintenant à parler en fait, du contenu. On va commencer à mettre en place le contenu principal de la page web. Donc ici, le main, il peut y avoir qu'un seul main sur la page. Voilà. Donc, à l'intérieur de ce main, là, j'aurai une section. Une section qui aura une en-tête. Et il y aura un titre ici.
et je mettrai mathématiques, par exemple, mathématiques. Et ici, à l'intérieur de cette section, j'aurai tout simplement des articles qui parlent au fait de mathématiques. Voilà. L'article aussi aura une section, aura aussi un reader. Voilà. Et le reader sera le type de aura un titre H2 où je mettrai par exemple article 1. Et puis ici, nous aurons voilà, un contenu. Ici, un paragraphe qui on mettra du lorem là-dedans, du lorem 10. Et puis comme ça, donc ici nous avons une section, la section type mathématique, et puis la section peut avoir plusieurs articles. Donc ici je peux dupliquer les articles. Je peux dupliquer les articles. Voilà. Maintenant si vous voulez, hein, vous pouvez tout simplement mettre tous les articles dans une div. Donc c'est là au fait que ça rentre les divs, on peut les utiliser au fait. Donc les divs, voilà, on veut rassembler tous les articles. Donc là maintenant, c'est pas tip top de les faire comme ça. Moi je vais. Hop, je supprime tout ce qu'il y a là. Donc ici, nous avons voilà deux articles. Donc article 1, article 2. Voilà. Section, article. Ok, donc c'était même plus les articles que j'avais. Donc ici, article 1, article 2. Article 3, puis article 4. Donc, tous ces articles-là, par exemple, moi, je peux les regrouper dans une div, par exemple, je mets comme ceci. Donc, ici, nous avons article. C'est comme j'ai un problème d'indentation, hein. C'est que je dois pouvoir corriger ce problème-là plus tard. Donc, ici, voilà. Ok, donc voilà, donc ici nous avons une section, ici nous avons une section qui contient une entête, et ici nous avons une div qui contient, on va mettre all-article, donc ici, voilà, je vais tenter encore un peu. Apparemment, j'ai un problème d'indentation. C'est sérieux là. Ok, je vais indenter une par une. Ok, je pense que c'est bon. Ok, donc vous voyez ici, nous avons une entête, nous avons un contenu ici qui contient. On peut carrément mettre ici du content au lieu de mettre all article. On peut mettre contenu. Et ici, on peut mettre ici un pied de page, un footer. Le footer va contenir voilà, un paragraphe. On mettra ici du lorem dedans. Bon, lorsqu'on vient déjà sur la page, ici, on réactualise. Le serveur a pété. Hein. Voilà, le serveur a pété. Voilà, on va relancer le serveur. Donc, ici, vous voyez, on a ici. Une entête. Remarquez que déjà le titre H1 qui est dans la section est différent du titre H1 qui est ici. Donc c'est déjà pas la même chose au fait. Donc c'est pour dire que tout simplement qu'une section c'est tout simplement un morceau de body. Donc à l'intérieur de ce morceau là, même si vous mettez un titre H1, le titre H1 n'aura pas au fait la même importance vis-à-vis du document principal quoi. Et voilà, nous avons tous ces éléments là. Donc ici, voilà, nous avons une section. Ici, on peut créer une nouvelle section encore. On peut avoir plusieurs, hein, plusieurs sections. Voilà. Donc ici, j'ai la section ici, informatique. Informatique, par exemple. Donc ici, je peux séparer un peu. Donc ici on a la section, première section ici, mathématiques, qui est un contenu, un footer, ici section, ici informatique, qui est aussi un footer. Et puis à la fin, on peut avoir ce qu'on appelle un pied de page,
qui va contenir un paragraphe, le fameux copyright, et j'en passe. Et par exemple, qui va contenir ici un insight, le insight pour les réseaux sociaux. Donc ici, on aura des liens vers les sociaux, quoi. Donc ici, on aura ici un lien vers Facebook. Ici, on aura un lien vers Twitter. Un lien vers GitHub, par exemple. Sur le dépôt GitHub, par exemple. Donc, vous voyez déjà, ici, en matière d'organisation, le code est beaucoup plus compréhensible. Donc, lorsque je vais replier tout ceci, lorsque quelqu'un prend le code, il sait, voilà, tac, il sait qu'il a en tête, il a une application, il a un contenu principal, et ici, il a un pied de page. Et le pied de page contient un insight. On a dit que le insight, c'est un contenu qui n'a pas forcément un rapport avec le contenu qui est là, au fait. Donc ici, voilà. Voilà. Et le header, dans la section, on peut avoir des headers, comme on l'a mis ici. Et puis ici, on peut avoir des divs. Donc cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser de divs. Mais juste que voilà, pour pouvoir avoir une navigation, par exemple, il y a une balise dédiée à la navigation. Pour pouvoir gérer l'entête, il y a une balise dédiée à l'entête, au fait. Donc, dans ce cas-là, il faut utiliser des balises dédiées. Mais par exemple, pour gérer une galerie d'images ou bien un truc comme ceci, dans le main, par exemple, pour gérer une galerie d'images, on peut créer une section qui aura un titre, par exemple ici, un titre H1, voilà, galerie d'images. Et ici, on aura une div ici, qu'on va nommer par exemple galerie. À l'intérieur de cette div-là, on aura des images, quoi. On aura des images, tout simplement. Bon, on aura des divs qui vont contenir des images. Voilà, des divs qui vont contenir des images. Voilà. Donc ici, on a une div qui va contenir tout simplement une image. Et puis voilà, on peut dupliquer ceci. Voilà, on peut la dupliquer comme ceci. Donc voilà un peu, c'est ça. Donc les amis, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça a été un plaisir pour moi de la faire. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous pour plus de référencement. Ça va m'aider pour le référencement. Ça va aider des gens à découvrir cette formation et à la regarder. Donc les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous dis à plus pour de très très nouvelles vidéos. Ciao.